Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess Me. Je vais vous présenter le bilan de mes 25 dernières parties sur l'e-chess. Pourquoi? Parce que quand on s'entraîne aux échecs, en général, c'est pour progresser. Et il est important de faire des bilans réguliers pour voir comment votre pratique évolue dans le temps et quels sont vos points forts, vos faiblesses, est-ce que vous arrivez à améliorer vos faiblesses, etc. Grâce à l'e-chess, on a Chess Insight. J'ai déjà fait une vidéo dessus. C'était justement le bilan des 25 premières parties que j'avais mises sur la chaîne. Et donc là, pour le mois d'octobre, je vous présente les parties 26 à 50. Alors en fait, il y en a un peu moins qui seront considérées parce que, comme on le voit là, ici, en fait, il n'y a pas 25 parties, il n'y en a eu que 20. Sur ces 20 parties, on va voir en plus que Chess Insight ne les prend pas toutes parce que j'ai commencé à jouer en classical, c'est-à-dire en 15 plus 15, c'était une des résolutions du mois précédent, plutôt qu'en rapide, 15 plus 10. Et donc, il semble que pour certaines statistiques, notamment les gains de points Elo, ce genre de choses, Chess Insight ne tiennent pas en compte la phase où vous progressez. Vous savez, tant que votre Elo n'est pas stabilisé. Bon, c'est pas très grave, mais du coup, on n'aura pas beaucoup de parties. En tout cas, déjà sur le mois, puisque là on voit le mois, donc le classement a progressé. Il est comparable à celui qui était en rapide, donc vous voyez, ça semble réussir un petit peu mieux. Et ça ne m'étonne pas, le 15 plus 15, le 15 plus 10 ne m'allait pas bien. Souvent, je finissais, surtout parce que je vous parle aussi, donc ça prend du temps de parler, d'expliquer, et donc je finissais mal autant. Là, j'ai eu moins de problèmes de pendule, mais on le verra dans le détail grâce à Chess Insight. Donc je regardais ce classement classical. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, c'est pas mal. Vous voyez où je me situe par rapport à la répartition des joueurs e-chess. Mais il faut nuancer parce qu'il y a très peu de joueurs qui jouent en lent, en classique sur l'e-chess en fait. Et donc il y a peu de gens même qui ont des classements classiques. Mais bon, il vaut mieux être sur la droite de ce graphique que sur la gauche. Voilà. Alors maintenant regardons le Chess Insight puisque c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc je vous en ai parlé, hein, c'est cet outil magnifique que vous trouvez gratuitement sur l'e-chess. Et je vais reprendre exactement les mêmes statistiques que le mois dernier et voir comment elles ont évolué. Donc d'abord je vais regarder mes ouvertures. Alors, il faut que je positionne des filtres ici. A priori c'est bon, il n'y a aucun filtre de positionné. Ce qui va m'intéresser, c'est le dernier mois. Et je vais regarder le classement. Alors, attendez, je prépare aussi ce que j'avais avant. Déjà le classement de mes adversaires. C'est quoi ça, la date? J'ai pas essayé. Oui, ok. Le classement de mes adversaires ce mois-ci. Et en fait, c'est par couleur que j'avais fait la comparaison. Donc voilà. J'ai rencontré des adversaires qui étaient, on va dire, à 19,50 en moyenne, sensiblement équivalent blanc-noir. Bon, les noirs étaient un peu plus faibles cette fois. La dernière fois, j'avais rencontré entre 1816 et 1860, donc j'avais des 1840. Là, j'ai rencontré des 1950, donc on va dire, en passant en 15 plus 15, on rencontre des adversaires un peu plus forts. Donc ça, c'est intéressant. Le temps que j'ai passé par coup était de 30 à 33 secondes, donc une trentaine de secondes. Ça aussi, c'est intéressant, puisque c'est un peu plus, j'étais en dessous de 30 secondes en fait, c'est un peu plus que lorsque j'étais en 15 plus 10, forcément. Mais aussi, j'ai le temps de mener les parties, donc je pense que c'est plus appréciable. J'ai pas mis le classical, puisqu'on a toujours en classical, ouais, 30-33. Alors par contre, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux couleurs, quoique 10% de plus avec les noirs, peut-être un peu plus lent avec les noirs. À voir si ça se confirme dans le temps. Le nombre de coups par partie. C'est embêtant que ce menu reste affiché comme ça. On peut pas le, voilà. 36, 40, on avait 31-33, donc en fait les parties sont plus longues. Donc je rencontre des adversaires plus forts et je fais des parties plus longues. Donc c'est forcément plus intéressant. Donc ça joue aussi en faveur du 15 plus 15, ça.
Ça peut être lié aussi si les adversaires sont plus forts, ils perdent moins vite, donc les parties sont plus longues. Tout ça, ça se tient. La qualité du jeu, j'étais entre 30 et 37 pour les noirs. Là, je suis à 37-35 pour les blancs. Donc, c'est pas génial. Ça, c'est pas génial. Il y a une dégradation, même, on va dire. J'ai fait plus de fautes, notamment avec les blancs. Avec les noirs, c'est constant, mais avec les blancs, mon jeu a été un peu moins bon que lors de du mois précédent. Par contre, il est équilibré, blanc-noir, il n'y a plus trop de différence. Avant, il y avait quand même une différence. Donc ça s'est équilibré, mais pas dans le bon sens. C'est plus les blancs qui se sont affaiblis, on va dire. Donc ça, il faut que je regarde pourquoi. C'est curieux. Statistique intéressante aussi, l'opportunisme. Quand l'adversaire fait une faute, est-ce que j'arrive à l'arrêter? Alors avec les blancs, systématiquement, c'était déjà le cas le mois dernier. Mais par contre, progrès avec les noirs. J'étais à 76% le mois dernier avec les noirs. Donc 94%. Vous voyez, une des résolutions que j'avais prises le mois précédent, c'était justement suite à cette statistique à 76, d'être plus vigilant avec les noirs. Vraisemblablement, ça a payé, puisque j'ai presque systématiquement puni, entre guillemets, les erreurs des noirs. Donc ça, c'est bien. Ensuite, la chance, luck. Est-ce que mes gaffes n'ont pas été punies? J'ai pas eu beaucoup de chance avec les blancs. Comme avec les noirs du reste, mais j'en ai eu plus que sur la période précédente. La période précédente, j'avais 16% ici et 0% ici. Donc mes adversaires plus forts, pour autant, ne m'ont pas puni de mes erreurs. Alors est-ce que j'ai fait moins d'erreurs, etc. Peu importe, mais bon, on ne peut pas vraiment influer sur la statistique de chance. On peut juste la constater. J'ai eu plus de chance. J'ai fait des gaffes qui n'ont pas été punies alors que précédemment elles l'avaient été, en fait. Voilà. Notamment avec les noirs. Alors est-ce que ce sont des gaffes moins visibles? C'est la chance. On ne peut pas. Mais bon, c'est toujours bon d'avoir de la chance. J'ai eu un peu plus de chance que le mois précédent. Et c'est vrai que si on regarde les parties, il y a plusieurs fois où je passe pas loin quand même et j'ai de la chance. Ça veut quand même dire quelque chose, ce facteur de chance qui augmente avec les deux couleurs. Il faut prendre avec des pincettes l'amélioration des résultats. Parce que peut-être que j'ai juste eu plus de chance. C'est possible. Et dernier point sur cette statistique, c'est de l'intérêt de faire des statistiques sur une grande collection de parties pour que la part de chance soit quand même réduite et pas significative sur les résultats. Alors ensuite, comment les parties se sont terminées? Donc on a beaucoup d'abandon, majoritairement abandon ou échec et mat. Très peu d'ailleurs, c'est marrant, les gens qui ont les noirs abandonnent les parties. Avec les blancs, ils vont jusqu'à se faire mater. Avec les noirs, ils vont. Ouais, avec les blancs. Très peu de nuls, ça c'est bien, on est combatif. Même si c'est le résultat normal aux échecs. Et encore des flags, mais pas forcément énormément de flags. On était plutôt sur les 20-25% la dernière fois. Et par ailleurs, vous allez voir, je crois, si je regarde comment se sont terminées les parties. Donc le flag s'est tombé à la pendule. Donc comme j'ai eu plus de temps, je tombe moins souvent à la pendule. Mais je sais que j'ai eu deux bugs de pendule, l'e-chess. Donc je suis tombé pour un bug de coup mal entré, on va dire. Et enfin, même dans des positions perdantes, peu importe. Mais du coup, ça apparaît ici en flag, alors qu'en fait, c'était peut-être, je ne tombais pas autant. C'est juste un bug. Et aussi, en fait, si je regarde les résultats que j'ai obtenus sur ces parties. Bah, j'ai pas perdu beaucoup de parties, j'en ai perdu qu'une en fait, ou deux. C'est plutôt mes adversaires qui tombent autant, ou qui se laissent tomber, plutôt que moi. Donc au final, je crois que les problèmes de pendule sont réglés sur ce mois-ci, et je l'ai vraiment senti. Donc ça c'est bien, vive le 15 plus 15 pour l'entraînement. On est moins victime de la pendule, et on joue à peu près pareil. Pas vraiment d'ailleurs, on joue des adversaires plus forts et des parties plus longues, donc c'est intéressant. Alors maintenant, les points gagnés avec les blancs et les noirs. Donc j'ai gagné 10 points avec les blancs et j'en ai gagné 4 avec les noirs. C'est une amélioration puisque je perdais des points avec les blancs le mois précédent. Donc là, par contre, j'ai amélioré en gagnant des points avec les blancs. On va voir d'ailleurs avec quelles ouvertures, etc. Ok, donc ça finit la première partie de ma comparaison.
J'ai repris les mêmes statistiques hein, que la vidéo précédente. J'essaierai de vous mettre un lien. Je vous invite à faire la même chose avec vos parties. De temps en temps, vous posez, regardez ce qui se passe d'un mois sur l'autre et puis notez. Hein, j'ai noté dans un tableau les résultats. Peut-être un jour, je vous les mettrai en forme pour vous montrer l'évolution, mais ça me prend du temps et j'en ai pas forcément besoin. Je peux juste vous dire, voilà, là c'est mieux ici que le mois dernier, etc. Ça suffit. Donc la conclusion sur la différence blanc-noir, on va dire, c'est que cette fois, je suis arrivé à l'équilibre. Le mois précédent, il y avait une différence blanc-noir. Il y avait un delta, je perdais plus de points avec les noirs, je passais plus de temps avec les noirs, j'étais moins opportuniste avec les noirs. Là, j'ai rééquilibré en fait ma façon de jouer avec les deux couleurs. Donc c'est intéressant parce que c'était un des objectifs que je m'étais fixé. La conclusion, ok, c'est ça, le 15 plus 15 aussi, c'est plus adapté, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc on va regarder maintenant au niveau des ouvertures par couleur, puisque je ne l'ai pas dit en introduction, mais je regarde la différence entre les couleurs, ce que je viens de faire. Ensuite, les ouvertures, et ensuite ma façon de jouer et un focus sur mes défaites. Mais là, comme il n'y a que deux défaites, d'ailleurs, le focus sur les défaites, je ne vais pas trop le faire parce que ce n'est pas significatif. Alors, les ouvertures par couleur, je vais d'abord sélectionner les blancs et je vais demander à regarder ce que je gagne comme points par ouverture, bien entendu, par opening. Voilà. Et tiens, une statistique intéressante par Queen Trade, savoir si on est meilleur peut-être sur les finales ou sur les positions où les dames sont toujours là. C'est pas mal ça. Ok, donc en tout cas, moi c'est par opening pour l'instant, par ouverture, pardon. Alors par ouverture avec les blancs, donc ici c'est mon fameux système de Londres. Paradoxalement, j'ai pas gagné de points ce mois-ci. Le mois dernier, j'en gagnais 7. Donc c'est bon, 7 points, 0 points. J'espère plus. Je suis un peu déçu en fait de ce résultat neutre sur le système de Londres. A45, c'est alors c'est la Trompowski qui est venue remplacer le D4 cavalier F6 fou F4 que je jouais avant et qui me faisait perdre 10 points Elo. J'ai remplacé par un Trombowski que je ne connais pas encore bien, il faut que je la révise, etc. Mais elle m'a apporté 17 points Elo. Donc il y a une variation de 27 points Elo. C'est assez intéressant sur plusieurs parties. Donc c'était une de mes résolutions de modifier ce que je jouais sur D4 Cavalier F6. J'ai introduit cette ouverture Fou G5. Et pour l'instant, ça me réussit. Alors attention, j'avais lu quelque part que quand on joue une nouvelle ouverture, souvent on a au début de très bons résultats. Parce qu'on s'appuie en fait sur les dernières évolutions de la théorie, puisqu'on prend des parties récentes, on regarde ce qui se joue, etc. Puis après, on a tendance à plus trop entretenir ça, et les résultats peuvent baisser. C'est peut-être d'ailleurs ce qui se passe avec mon système de Londres. Par contre, pour la Trompowski, toute neuve, toute belle, youpi, je suis content du changement, ça se passe bien, en tout cas pour l'instant. Donc ça confirme. J'ai pris un risque, modifié une ouverture, toute une ligne d'ouverture, et pour l'instant, les résultats sont à la clé, donc pas de raison de changer ici. Et le A40, c'est D4 avec quelque chose d'autre derrière, en l'occurrence D4 C6. Super résultat, mais ça ne compte pas du tout, parce que en gros, c'était une partie, et cette partie, c'est un 2100 qui a sacrifié sa dame au quatrième coup. J'ai toujours pas compris d'ailleurs l'idée, il l'a fait volontairement, il me l'a écrit dans le chat avant de la sacrifier, donc bon, voilà, mais bon, là, aucune interprétation possible. Donc ensuite, je vais regarder évidemment ce qu'il en a été avec les noirs, mais je suis donc content sur les blancs, c'est une évolution positive par rapport au mois précédent. Alors sur les noirs, plus d'ouverture, j'ai rencontré plus de choses évidemment. Il y a, on va dire, les B40, E4, C5, E6 et la canne un peu plus complète, avec 4 plus 4, 8 points gagnés. Donc ça, c'est correct, mais c'est pas énorme. Ça allait aussi précédemment. L'ouverture rétie, 23 points, ça c'est plutôt bien, rien à dire. En fait, tout est positif ici. Les 6 IN rares aussi. E4, C5 et puis quelque chose de bizarre derrière, B3, B4. Ça se passe bien aussi. Il n'y a que l'anglaise. L'anglaise avec une défaite qui m'a coûté cher. Mais bon, sur une partie, est-ce que c'est significatif? Je crois pas, je pense là. Alors en fait, il y a très peu de parties qui sont relevées ici, il n'y en a que 11, alors que normalement, enfin je crois, hein, non même pas, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a une par ouverture. Normalement, il devrait y en avoir plus, puisque j'ai joué 25 parties, mais comme je vous ai dit, Chess Insight ne semble pas prendre en compte, notamment pour la partie gain de points Elo, la phase où vous progressez, en fait, c'est-à-dire quand vous avez un Elo temporaire. Donc c'est dommage, parce que j'ai tout un tas de parties qui ne sont pas révélées ici.
Donc si je me base plutôt sur le résultat, je vais avoir plus de parties peut-être prises en compte. Ouais, à peine. Donc c'est un peu une contrainte pour ce mois d'octobre. J'ai pas assez de parties en fait, même si j'en ai joué 25, j'ai pas toutes les conclusions. Donc il faut vraiment que je prenne avec des pincettes les conclusions qui se présentent ici. Donc du coup, je vois pas grand-chose à modifier sur mon répertoire, sauf que j'espérerais plus en fait de ma Sicilienne noire. J'ai quand même joué contre des joueurs noirs qui étaient, enfin quand j'avais les noirs contre des joueurs qui étaient plus faibles, donc j'aurais espéré gagner plus de points, plus de parties. Et donc je vais peut-être retravailler la Sicilienne Cannes, qui m'apporte pas forcément. J'aimerais que ce soit mon ouverture star avec les noirs en fait. Et là c'est pas trop le cas pour l'instant. Ok, donc. Malheureusement, pas assez de parties pour avoir des choses significatives. Et maintenant, je vais regarder la troisième partie, c'est-à-dire ma façon de jouer, c'est quelle que soit la couleur. Je vais regarder le temps que je passe, move time, par moment dans la partie, par phase de partie. Donc 37. Euh, 37, 46, 15. Donc. Je trouve que pour l'ouverture, c'est un peu long, mais il faut quand même se poser des questions en ouverture. Donc 37 secondes par coup. Comme j'ai la moyenne à 30 secondes ou 33, bon. Ok, c'est correct. 46, je passe un peu de temps, mais ça me paraît normal. Et 15, c'est faible. Mais j'ai pas non plus. Il faut que je regarde si je perds beaucoup de points en fait New message for you. en finale. Non, pas spécialement en fait. Ouais, si, quand même, quand même. Il y a de la gaffe en finale, donc peut-être il faudrait que je joue un peu plus vite l'ouverture et un peu moins vite la finale. Ok, donc clairement, là, ça saute aux yeux, quoi. Donc je joue plutôt bien l'ouverture, donc j'ai peut-être pas besoin d'y passer autant de temps, hein. 37 secondes, c'est ce qu'on voyait avant. C'est trop. Par contre, en finale, où je passe 15 secondes et que je perds par contre 44 centipions par coup, il faudrait peut-être que je ralentisse un peu. Donc il y a peut-être le problème de pendule, bien entendu, un Zynod possible. Mais ce que je retiens, c'est que la qualité de mon jeu est pas bonne en fait dans les deux dernières phases. Et si je pouvais économiser du temps au début, eh bien j'aurais plus de temps pour ces deux phases. Quitte même à être un peu moins bon dans l'ouverture, mais là je suis même carrément trop bon dans l'ouverture si vous voulez, par rapport à mon niveau de jeu moyen. Donc je pourrais jouer un peu plus vite, sans compter que très souvent c'est quand même sur des schémas que je suis. Alors après il y a peut-être aussi enfin que je connais, il y a peut-être un phénomène vidéo, c'est-à-dire que très souvent je vous parle plus d'autre chose que la partie en début de partie. Je vous dis bonjour, je vous raconte ce qui se passe, je vous raconte un petit peu des trucs autour des vidéos, je vous explique aussi un peu ce qui se passe dans le début. Donc je consomme du temps à ce moment-là, qui ne me sert à rien, et puis je joue un bon coup, puisque de toute façon je le connais par cœur. Donc il y a peut-être cet aspect-là aussi, donc il faut nuancer. Mais en tout cas, en finale, il faut clairement que je garde plus de temps pour la finale. Bon, même si, on va quand même apporter un bémol ici, 15 secondes par coup, c'est pas beaucoup, mais ça devient un peu plus que le Zynote complètement fou. Donc 15 secondes, ça laisse quand même un petit peu le temps de réfléchir. Et puis je me rends compte ici, et c'est pas un hasard, que 15 secondes, c'est aussi l'incrément quand on joue en 15 plus 15. Et donc probablement, ces finales, je les joue sur l'incrément. Et donc c'est pour ça que ça fait 15 secondes. Donc j'ai plus de temps. Donc il faut vraiment que j'arrive à garder du temps pour la finale. Mais ça, je crois qu'on a tous le même constat. Quand on a un temps limité, on finit les parties sur la fin du temps limité, quoi. On a du mal à garder une petite réserve de score. Parce que là, ça ressemble vraiment trop à l'incrément quand même, 15,3. Donc je pense que c'est le problème. Et je fais des fautes forcément à cette cadence. Mais pas plus que dans le milieu de jeu. Donc attention au milieu de jeu, où je suis toujours faible. Et en finale, il y a peut-être moyen d'améliorer en ayant un peu plus de temps. Donc ça, c'est sur ma façon de jouer. Donc voilà, c'est ma conclusion, hein. Les ouvertures, ça va bien, mais il faudrait que j'y joue plus vite. Et puis, milieu de jeu, plus vigilant. Et finale, essayer d'avoir du temps, je viens de le dire. Et alors après, normalement, je voulais faire un focus sur les défaites, ce que j'avais fait la fois précédente, donc lorsque je perds.
Je vais peut-être ajouter les nuls, c'est pas très bon les nuls, ça va ajouter un morceau. Mais le truc, c'est que y a pas des tonnes de parties. Enfin, là, il n'y a que deux parties. Donc, c'est vraiment pas significatif, malheureusement. Ce que je regarde habituellement, c'est combien j'ai perdu de pions quand je perds, par phase de partie. Donc généralement, vous voyez, c'est dans la finale quand même que ça se passe mal. Ça va bien au début, ça se gâte au milieu et ça s'empire en finale. Donc là, c'est quelque chose à améliorer. J'ai ajouté les nuls aussi, hein. Le temps que je réfléchis dans ces parties que je perds. Donc je réfléchis bien au début, bien au milieu. Alors ça, c'est une amélioration quand même parce que précédemment, j'avais plus de consommation au milieu. Au final, là, c'est un petit peu rééquilibré, mais enfin bon, globalement, non, on est quand même sur quelque chose qui ressemble. Je reviens d'ailleurs sur la stat précédente. Le mois précédent, ici, j'avais plutôt 105, donc 85, c'est un peu mieux. J'ai quand même un peu amélioré la finale et je pense que c'est justement toujours lié à ce 15 plus 15 qui me laisse plus de temps quand même dans la finale. Alors le temps que j'y passe justement, donc là c'est 11 secondes quand je perds, donc j'ai encore moins de temps, c'est plus la panique. Alors pourquoi 11 secondes alors que j'ai 15 d'incrément? Attention à ça aussi, je peux peut-être améliorer, j'ai l'incrément, je peux peut-être quand je suis en train de perdre essayer de mieux jouer la finale s'il faut que j'utilise toutes mes 15 secondes quand même d'incrément. Et le material imbalance, à quel moment ça se passe mal? Curieusement, sur les parties perdues et les parties nulles, je suis plutôt bien. Ce qui n'était pas le cas avant, je perdais beaucoup en milieu et je récupérais en finale. Alors que là, le début égal, le milieu égal, et c'est dans la finale que je perds. Mais les chiffres sont pas très gros. Et je vous ai dit, il n'y a pas assez de parties pour en tirer des conclusions. Donc je vais bien me garder sur cette quatrième partie, mes défaites, d'apporter des conclusions ici. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de défaites, quoi, on va dire. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Il hein. Faut pas s'inquiéter. Donc au global, voilà, j'ai fini ce bilan. Pardon, j'ai cru que ça n'enregistrait plus. Le gros bilan du mois, octobre, il y a deux points. C'est le 15 plus 15. Me convient beaucoup mieux. Allez, je vais mettre le petit schéma rigolo sur le classical. Ou d'ailleurs, sur le profil, ouais, c'est bien ça. Donc la cadence classique me convient mieux, 15 plus 15, je suis plus à l'aise que 15 plus 10 où j'étais souvent flagué, où j'avais des problèmes de temps. Donc ça convient mieux en tout cas à l'entraînement et au speech sur les vidéos. Donc ça, je vais le garder. Bon signaux aussi sur la Troupovski, donc qui est venue remplacer la variante que j'utilisais avant contre D4 cavalier F6. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer de renforcer, de garder. Donc je suis content, peut-être un point faible qui a été résolu, au moins dans mon répertoire ou par rapport à mon style de jeu. Sinon, je pense que je vais travailler la Sicilian Cannes, donc je ne suis pas hyper content, même s'il n'y a rien de mauvais, hein, mais j'ai envie de changer, je ne suis pas à l'aise aussi quand je joue ces parties, il y a des choses qui ne me plaisent pas, donc j'ai envie de modifier des petites choses dedans, pas forcément beaucoup, mais des petites choses. Et il faut vraiment que je sois plus vigilant. Alors le mois dernier, je disais avec les noirs, etc. Là, il faut que je sois vigilant dans le milieu de partie. Il faut vraiment que je sois vigilant dans le milieu de partie et peut-être que je joue un peu plus vite le début. Donc trois résolutions. Est-ce que j'ai vraiment trois résolutions? Milieu de partie, début et Sicilian Cannes. En tout cas, il faut être plus vigilant. J'ai quand même fait beaucoup de fautes sur ce mois-ci, mais j'ai eu de la chance. C'est ce qui m'a sauvé. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à faire vraiment la même chose sur vos propres parties et utiliser Insight qui est génial sur l'eChess, qu'on ne retrouve pas sur chess.com. C'est aussi pour ça que je vais peut-être continuer quand même sur l'eChess. Et je vous dis, abonnez-vous ici et sur ma tête, enfin ou en dessous, juste en dessous, je ne sais pas trop, dans le coin quoi. Et puis, regardez d'autres vidéos, mettez des commentaires, des likes, vous l'avez fait dernièrement, et c'est vraiment très encourageant, ça donne envie de continuer, donc je vous remercie, et je vous ferai forcément plus de vidéos sur l'entraînement, la progression, si ça vous plaît. À bientôt, ciao!